の蝶になってきらめく風に乗って今すぐ君に会いに行こう。余計なことなんて忘れた方がマシさ、これ以上しゃれてる時間はない。何がウォーウォーウォーウォーウォー、この空に届くのだろう。だけどウォーウォーウォーウォーウォー、明日の予定もわからない。無限大な夢の後の何もない世の中じゃ、そうはさ愛しい思いも負けそうになるけど、ステージが蝶になって一途な風に乗ってどこまでも君に会いに行こう。曖昧な言葉って意外に便利だって叫んでる悲壮的ながら、何がウォーウォーウォーウォーウォー、この街に響くのだろう。だけどウォーウォーウォーウォーウォー、愛してても仕方ない。無限大な夢の後のやるせない世の中じゃ、そうはさ常識外れも悪くはないから、清楚なイメージを染めたぎこちない翼でも。Et donc, bonsoir à tous et à toutes, et bienvenue pour ce live, cette émission, cette digi-émission même. Alors oui, un tout petit peu de retard, je m'en excuse, hein, petit souci d'organisation, etc., etc. Mais voilà, ça y est, c'est bon, la digi-émission commence, elle commence maintenant et... D'ailleurs, dites-moi tout de suite, s'il vous plaît, si vous avez des lags. Hein, n'hésitez pas à me le dire. Dire si vous avez des lags. Dites-le-moi sur le chat. Le chat de Twitch. Parce que. Il y a des petits soucis d'organisation. Hein, voilà, c'est la fin de l'année. Hein, on prépare des choses, va-t-on dire par là. Et donc, ouais, il y a des petits soucis.
au niveau de la co, hein, voilà, parce que bon, on fait plein de choses en même temps. Pour pas vous le cacher, je fais plein de choses en même temps, donc voilà. Et donc, bah, c'est possible que ça tue un petit peu. Donc voilà, donc en tout cas, je suis ravi de vous retrouver la veille du réveillon en ce 23 décembre. Donc, et oui, demain c'est le réveillon. Et après-demain, et ben c'est Noël! Ouais! C'est Noël! Bref. Alors donc, bien évidemment, dans cette digi-émission, on va parler. Bon. On va pas vraiment parler de Noël en fait. Oh, ce rire sardiaque! On va parler bien sûr de Digimon, de la série, etc. etc. Et vu que c'est la dernière digi-émission de l'année, hein, parce que oui, dans 2 semaines on sera. Enfin, dans moins de 2 semaines, attends, mais ça sera dans 2 semaines la prochaine digi-émission. Bah. Voilà, dans un peu plus d'une semaine maintenant, bah, et ben on va passer en 2016. Et donc voilà, aujourd'hui, année 2015, mes amis. Encore, oui, on est en fin 2015. Donc voilà, on va revenir donc sur l'actualité des Digimon. Voilà. Alors normalement, pas de gameplay aujourd'hui. Je ne pense pas, pas de gameplay. C'est triste. Mais il y a plein de choses pour vous. Il y a eu la Jump Fiesta qui a eu lieu récemment au Japon. Donc bien sûr, il y a eu pas mal de trailers Digimon. Donc on va pouvoir les voir dans cette émission. Et puis bah voilà, on va également parler tout simplement bah, de la saison. Enfin. De la série comme je l'ai dit, mais aussi bah, tout ce qui s'est passé un petit peu en 2015. Voilà. Bon allez, j'arrête de chanter parce que ça va vraiment pleuvoir pour tout le monde vu que je chante comme une casserole. Donc voilà, n'hésitez pas à réagir sur le chat, bien évidemment. Le chat de Twitch, le merveilleux chat de Twitch. Voilà, c'est. Il est merveilleux, il est beau, il est étincelant, il est magnifique! Comme il dit, magnifique! Voilà, n'hésitez pas à réagir dessus. Ou alors sur Twitter, avec le hashtag DigiEmission. Vous voyez le petit truc qui fait quick quick! Voilà. Hein, c'est ça Twitter. C'est le petit oiseau bleu qui fait quick quick. Bleu ciel, je le précise. Donc. Voilà, en tout cas, ce programme de cette dernière digi-émission de l'année 2015. Oh là là! Et donc voilà. Alors, on va commencer tout doucement. Oui, parce que j'ai décidé de commencer tout doucement. Alors, il y aura aussi une rubrique goodies. Hein, mais ça, voilà. C'est rubrique cadeau, va-t-on dire par là. Donc. On commence très doucement. Très doucement. On va commencer par les news. Et oui, les news. Les news parce que oui, il y en a eu. Il y en a eu. Il y a également la liste. Enfin, il y a eu la liste des DLC offerts pour PS Vita, donc concernant le jeu Digimon Story Silver Slug. Uniquement PS Vita. Donc, oh, j'ai pas vraiment le temps de lire, excusez-moi. Excusez-moi. J'ai pas vraiment eu le temps de lire, c'était une news qui apparaît sur jeuxvideo.com. Voilà, donc, si ouais, je peux vous lire la news intégrale, hein, moi ça me pose pas de problème. Voilà, donc, prévu pour le 2 février en Amérique, puis le 5 février chez nous, Digimon Story Cyber Sleuth sortira donc sur PlayStation 4, donc PS4 hein, en dématérialisé et en boîte, et sur PS Vita en dématérialisé uniquement. Après avoir révélé donc les bonus de l'édition Day One, Bandai Namco dévoile aujourd'hui la liste des DLC qui seront offerts pendant le mois de lancement du jeu
sur PS Vita. Hein, donc y a pas PS4, ne me demandez pas PS4. Hein, voilà. Donc on retrouve donc les différents bonus présents dans l'édition Day One, donc à savoir les costumes pour Agumon, des objets utiles. Voilà, il y a pas le chose apparemment. Des changements de couleur pour Agumon, Gabumon, Bilzimon, Blast Mode et Cherry, enfin Cheru Bimon, voilà, qui ne sont pas disponibles dans la version japonaise. En outre, donc les joueurs sur PS Vita profiteront également de deux thèmes de personnages. Voilà, donc y a Takumi Aiba et Nokia Shiramin. Donc voilà, hein, ainsi que les deux thèmes Digimon, donc Ulforce Vidramon et Magnamon. Magnamon, Galantomon et Omnimon. Voilà. Voilà, ça fait beaucoup de voilà, mais bon, voilà. C'est pas nécessairement évident à dire. Donc, il y a eu un trailer sur ce jeu que je vais vous diffuser après. Ouais, parce que j'ai décidé de diffuser après. Non, je rigole. On va aller le voir maintenant. On va aller voir maintenant. Ça serait pas mal. Et puis voilà. Allez, hop. Bon, le trailer n'a pas décidé de se lancer. Est-ce qu'il va bien se lancer le trailer? Wouh! La régie a du mal. Elle a un petit peu de mal, la régie. Faut un peu la pardonner. Voilà, y a un petit souci. Voilà, y a eu un petit souci. Bon, ça peut pas se lancer. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Ah, c'est lancé. C'est Digimon Story Cyber Slug, mais elle a pas été lancée au début. Donc, si on pouvait la mettre au début, s'il vous plaît. Appelez, merci. Et on se retrouve juste après. A tout de suite. Donc voilà pour ce
Trailer! Voilà, donc c'était le trailer Digimon Story Cyber Slug. Voilà, tout simplement. Enfin, j'ai dit Slug à chaque fois, mais c'est Slut. Mais bon. Enfin, voilà, chacun le prononce comme il veut, je pense. Donc voilà, concernant ce jeu-là. Alors, ensuite, donc, on va parler de Digimon World Next Order, donc un autre jeu Digimon hein, qui sortira donc dans le futur. Ça sortira dans le futur. Donc, alors, il y a eu également deux trailers de présentés récemment, voilà, un la Jump Fiesta et l'autre comme ça. Allez hop! Lance le petit trailer, hein! Allons-y, ouais! Donc, il y a différentes choses qui ont été faites, notamment des bonus qui ont été annoncés. Il y aura en réalité la bande son de Digimon World, donc qui est un jeu qui était apparu en 1999 sur PS1. Il y aura aussi donc deux thèmes PS Vita, hein, voilà. Deux thèmes PS Vita. Non, désolé, je lis mes notes. Donc un set qui contient une challenge carotte qui augmente les MP et les dégâts pour 6 heures multiplient. Enfin, 6 heures, voilà. Multiplie aussi donc la vitesse de l'entraînement par 1,2, voilà. Enfin, 1,2, pardon. Donc, il y aura aussi un Sakura Beard Radis. Il y aura également donc un Aiden's Oignon. Oignon, alors c'est pas les oignons qu'on mange, hein, voilà. Enfin, pas les oignons de la cuisine, j'ai envie de dire. Voilà, il y aura un Digi-Off spécial donc, qui contiendra Agumon et Gabumon qui peuvent parler d'ailleurs. Et il y aura également en parlant à Poyomon dans la maison de Digimon, vous pourrez débloquer un Uknomon et la méga évolution corps. Voilà, donc ça pouvant digivoluer en en Susanoo. Il y a des noms bizarres des fois dans les Digimon, faut pas comprendre. Donc en Susanoo, en Imperiadramon, enfin en Imperiadramon, pardon, Fighter Mode, et en Omnimon, Galantomon et Shiny Greymon. Voilà en gros. Et il y a également un nouveau personnage qui a été annoncé. Il s'agit de Shuamon. Shuamon. Voilà. Shuma. Pardon. Ça y est, je suis dans les mods maintenant. C'est pas trop évident à dire. Hein. Qui est donc un jeune homme mystérieux, très attaché à son petit jouet Digimon. Voilà, tout simplement. Bah voilà. Hein. C'est à peu près tout pour les news. Il reste donc les deux vidéos du jeu Digimon World Next Order que je vais vous faire passer tout de suite. Et puis après, on se retrouvera après. On se retrouvera après. 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 Ah oui, après. Après. On se retrouvera après ces deux vidéos. Donc, à tout de suite.今デジタルワールドはあらゆるネットワークから遮断された密室状態ということだ。ネットワークを回復しない限り現実世界には帰れない。ここにおるのはお主のパートナーか。しかも2体とは。行くぞ。分かった。
この世界は危機に瀕しておる。その原因は無限ドラモンじゃ。君たちにも見せてあげよう。僕が見出した究極の進化。これはなんだ。絆の光。絆が力に変わっていく。私たちはまだ戦える。文字通り世界が侵食される。デジモンワールドネクストオーダー。今僕らの世界が進化する。バンダイナムコ。7年ぶりか。腕がなまってないといいけど。今デジタルワールドはあらゆるネットワークから遮断された密室状態ということだ。ネットワークを回復しない限り現実世界には帰れない。ここにおるのはお主のパートナーか。しかも2体とは。行くぞ。分かった。今この世界は。Bon, ok, joli fail. Joli fail de la régie. Voilà. Deux fois la même bande-annonce. GG. Donc voilà, alors est-ce qu'on va pouvoir. Est-ce qu'on va pouvoir vous mettre la vraie bande-annonce cette fois? Car oui, ça serait bien, hein, d'avoir la vraie. La vraie de chez vrai, en fait. Hein, ça serait bien. Donc n'hésitez pas à réagir sur Twitter. Hashtag Digimission ou sur Twitch. Twitch. Donc. Ok, alors attendez. Voilà, petite erreur. Petite erreur, c'est des choses qui peuvent arriver. Il n'y avait qu'un trailer de Digimon. Digimon World Next Order, je parlais. Et il y avait un petit extrait, enfin c'est une vidéo de Digimon Heroes. Et voilà, une petite vidéo de Digimon Heroes. Donc c'est un jeu sur iOS Android dans lequel bah, on va pouvoir voir tout de suite maintenant. Et puis voilà, on se retrouvera juste après. À tout de suite.
Et donc, ben voilà. Voilà pour ce qui concerne les vidéos. Et donc, ben n'hésitez pas à réagir sur le chat de Twitch ou sur Twitter, hashtag DGMission. Voilà, voilà. Donc, on se retrouve juste après une pause, les amis. À tout de suite!
Et donc de retour pour la deuxième partie de cette 10e mission. J'espère que vous êtes chauds. J'espère que vous avez toujours la patate en ce, en cette veille du réveillon. Enfin cette veille du réveillon, oui, hein, voilà, vu que demain c'est le réveillon et après demain Noël. Donc voilà, on est, je suis là pour vous faire détendre, pour vous détendre. Et voilà, vous vous occupez pendant une bonne... Enfin, il reste maintenant moins d'une heure. Il reste moins d'une heure maintenant. Donc voilà. Alors, on va continuer. On a fait donc les news. Enfin, les grosses news. Là, maintenant, il nous reste des petits trucs en vrac. Ça, c'est bien. Donc, on va déjà commencer... par Twitter. Alors je vais pas vous rappeler que pour tout simplement envoyer un tweet, c'est le hashtag JMission. Non, là ce que je vais vous parler, c'est du compte Twitter officiel donc de Digimon Adventure 3, donc la saison 7 de Digimon, qui vient d'atteindre les 100 000 followers uniquement. Moi j'aurais parié plus quand même, mais voilà. Uniquement ils sont 1000, bon. Bon, voilà. Voilà. Et pour le coup, ils ont proposé une nouvelle illustration que vous pouvez voir. Alors, attendez, je vous dis le compte exact, c'est... oula, c'est chaud. C'est @digi-advent... Enfin, c'est dur. C'est @digi-advntr15th. Voilà. C'est le compte officiel. Officiel, voilà. je sais, c'est chiant. C'est chiant, mais bon, voilà. C'est sympa. C'est sympa. Ensuite donc j'ai quelques goodies. Alors les goodies, on va faire ça après parce que oui, alors avant je voudrais vous parler de la suite de, enfin, il y a eu la saison 7 partie 1 qui a été fait, et là ça commence déjà donc forcément à parler de la partie 2. Alors ça sera le film donc Ketsui. Voilà, alors j'avoue que j'ai pas trop regardé parce que j'ai pas trop voulu spoiler non plus. Hein, donc voilà, vous pouvez, pour ceux qui veulent voir, hein, un assez long texte est apparu donc sur la suite de la saison 7. Donc voilà, c'est apparu sur digiduo.fr. Donc n'hésitez pas à aller voir tout simplement. Sinon, il y a aussi les chiffres de vente de Digimon Adventure 3 qui ont été annoncés. Donc ça concerne donc le Blu-ray DVD. Enfin, ça concerne le Blu-ray et DVD. Alors, je vais vous dire vraiment comment j'ai marqué. Donc comment ça a été marqué sur le site digiduo.fr. Donc les premiers chiffres de vente du Blu-ray et du DVD de Digimon Adventure 3 Sakai sont sortis. Pour la première semaine du 14 au 20 décembre, le film s'est vendu à 7822 unités, dont 1748 en DVD et 6074 en Blu-ray. Un score correct, il faut relativiser en prenant en compte le nombre de places de cinéma vendues quelques semaines avant. Donc voilà. Hein. C'est plutôt pas mal. C'est pas mal. Ensuite, donc, nous avons... Oh oui, je sais que vous les attendez. Les figurines, parce que là, c'est à peu près tout pour la partie news. Et oui, c'est déjà tout, mais c'était pas mal. Donc, en ce qui concerne les goodies. Bah oui, vous voulez les voir, les goodies. J'imagine, si vous êtes là, c'est pour les voir, tout simplement. Hop.
Ben voilà, vous allez pouvoir les voir. Attention, on élargit. Clac. Et ça n'apparaît pas. Voilà, voilà. Si, c'est bon, ça a paru. Ça a paru, donc. Voilà, le Golears. Donc voilà, un petit goodies déjà. Hop, attendez. Faut que la régie soit coordonnée. Donc voilà. Donc il s'agit pour cette photo d'une photo des dessous de verre que l'on peut trouver donc dans un Animate Café. Voilà. Donc évidemment c'est des goodies Japon. Hein, voilà. J'ai pas précisé, mais voilà. Les goodies au Japon. Japon. Donc voilà. Ensuite, on va passer sur la suite. Donc là, alors là, il s'agit donc de peluches. Donc c'est deux nouvelles peluches, enfin des nouvelles peluches chez Banpresso. Banpresso, hein, voilà. Donc ont été révélées. Sauf erreur, ce sont donc des prix que l'on peut gagner dans des Game Center au Japon. Produites en masse et d'une qualité de plus douteuse. Donc voilà, je sais pas, attendez. Est-ce qu'on peut agrandir vite fait pour voir un petit peu. Bah, on va agrandir un petit peu tout ça. Voilà. Bon, hein, voilà, vous pouvez dire votre avis dans les commentaires. Bon, c'est vrai que la qualité est un peu dégueulasse. Enfin, la qualité du stream, pardon. Bah, c'est un petit peu dégueulasse, c'est un petit peu trop proche. Voilà, on va dire encore, c'est encore potable. Donc voilà. J'avoue, je préfère peut-être un petit peu plus le Greymon, mais bon. Pour l'instant, tant qu'on n'a pas devant les yeux, c'est un peu difficile de juger. Bref. Voilà. Alors, normalement, il y a d'autres choses. Voilà. Ces peluches-là. On peut vite faire grandir aussi, hein, tant qu'on y est. Voilà, c'est... Après, là, c'est un peu difficile... juger, là, ça a l'air d'être vivant. Enfin, j'aime pas trop, moi, personnellement. Bon, voilà, hein, là. Appeler. Ensuite, donc, alors là. Attendez, hop. Donc, il s'agit donc de. Je pense que vous l'avez reconnu, Black Agumon. Donc, c'est une peluche Agumon toute noire. Donc, c'est pour 2000 yens. Et c'est vrai que c'est pas très très beau. Hein. Voilà, on peut vite fait zoomer. C'est pas très très beau. C'est assez moche. C'est assez moche. Faut l'avouer. Faut le reconnaître. Faut le reconnaître. C'est moche. Alors, ensuite, nous avons... Ceci, alors ça, ça, c'est des cravates Digimon. Je me demande où est le thème Digimon et je me demande qui aujourd'hui maintenant porte des cravates. Voilà. Bon, après au Japon, je sais pas si les cravates c'est populaire. Mais en France, les cravates, c'est pas très populaire en fait. C'est... Personnellement, après, c'est avec mon avis, c'est un peu ringard, je dirais même. Voilà, c'est mon avis. Porter des cravates, à part, bon, aller à son travail au pire, hein, je peux comprendre. Mais tu vas pas arriver avec un truc comme ça, quoi. Enfin, je trouve ça moche. Mais, je trouve ça moche, quoi. Quoique. Regardez. Des petits dessins Digimon, mais merde, mais enfin merde, mais mince quoi, je sais pas trop ce que c'est comme dessin, bref, c'est pas grave,
C'est pas grave, mais franchement, j'adhère pas. Hein. J'adhère pas. Hein. Dites votre avis dans le chat. Mais j'adhère pas. Alors, attendez, je vais lire quand même précisément. Donc ça coûte quand même 4320 yens. Voilà. Voilà ce que j'ai à rajouter. Bon, hein, voilà, on va passer. Ensuite, donc on a ceci. Alors, ceci, donc c'est un sac Digimon Tree, donc avec 4 nouvelles illustrations dessus, mais à l'intérêt des plus limités. Surtout, donc à 3000 yens. Voilà. On peut zoomer. Voilà, je zoome un petit peu. Bon. Un sac apparemment, bon, on voit pas grand chose du sac, hein. je vous l'avouer, pour un sac, alors, on voit pas grand chose. Bref, passons à la suite. Alors ensuite on a alors ceci. Alors là je crois que je suis pas par contre au bon endroit pour celui-là, forcément, hein. Exactement, je suis pas au bon endroit. Hop, 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 je vais pouvoir vous dire ce que c'est dans quelques secondes. Oui, il y a tellement de choses que... Donc voilà, c'est des figurines, hein. Donc ça a été annoncé. Il s'agit donc de... il s'agit de deux Digimon que vous connaissez très bien. Voilà. Deux Digimon que vous connaissez très bien, Agumon et Gabumon. Bref, en noir. Noir, oui, c'est très important de préciser. Hein. Je suis sûr que vous n'avez pas vu. Bon, c'est en noir. Attendez, hop, hop. En noir. En noir, en noir. Voilà. Vous voyez un peu. Oui, un peu. Ensuite, il y a d'autres figurines, il me semble. Enfin, d'autres petites choses, hein. Voilà. En noir, enfin, en gris noir, enfin. Alors, ça passe ses couleurs d'origine. Là, on va faire un petit zoom quand même. Attendez. Un petit zoom, hein. Là, je pense que vous avez compris, hein. Je pense ouais, plutôt l'air assez classe, souvent la posture. Après voilà, est-ce que c'est de la qualité haute, je pense pas vraiment, mais voilà, c'est plutôt classe. Alors continue. Bon voilà, voilà, vous savez qui c'est, qui avec qui. Qui avec qui, que avec quoi. Bref. Voilà, hein, je vais pas vous en faire un dessin. Bon, alors ça, attendez, parce que ça, c'est vrai que ça, c'est pas dans la rubrique goodies, ça, mais voilà, c'est toujours très important de préciser. Alors, attendez, hop, 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 je retourne aux notes, s'il vous plaît. Donc pour ça, donc il s'agit donc d'un skern qui provient donc du magazine V-Jump de février. Arrive donc voilà, donc on y aperçoit donc Suisa Noon, voilà, qui a été confirmé dans le jeu, donc Digimon World Next Order, et qu'un nouveau personnage fera son apparition, donc Tsutsuki Saoma. Voilà, c'est toujours pas évident à dire les noms japonais, quoi. Pas évident à dire, donc on peut zoomer, hein, un petit peu. Bon, c'est vrai qu'avec la qualité du stream, je suis désolé que vous voyez pas grand chose, malheureusement. Ici, il n'y a pas la fibre, voyez-vous. Voilà, on est obligé de faire avec les moyens du bord. Voilà, bien du V-Jump. Donc voilà, je pense que c'est un
peu près tout. C'est un petit peu près tout, hein, voilà. Bon, en tout cas, vraiment, tout ce qui est news, goodies, c'est vraiment tout, 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 tout. Oui, un tout, tout. Il y a un tout, tout. Donc, voilà. Prochaine Digimission, donc ça sera dans deux semaines. C'est-à-dire, on sera quand dans deux semaines? Tiens, on sera quand? Je regarde. Je regarde, on sera quand dans deux semaines? Le 6. Mercredi 6. Non, c'est bien, calendrier 2016, ouais. C'est la fille quand même. Mercredi 6. Voilà. C'est pratique ces petites choses, hein. Là, ces petites choses là, attendez, je sais pas si vous le voyez bien. Voilà, cette petite chose là. Voilà, normalement vous voyez, hein, là. C'est très pratique ces petits calendriers, on peut les avoir partout. Hein, voilà, donc c'est très 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 pratique. Hein, bon, ça n'a aucun rapport avec Digimon, mais voilà. Alors, juste ça, comme ça. Voilà. Donc on se retrouve après une petite pause, les amis. Et oui, on se retrouve après une pause. Dans lequel bah, je reviendrai en troisième partie. Et puis bah voilà, enfin, on va pas se dire joyeux Noël et tout ça, vu qu'on se voit également demain, encore en live. Puis on se verra aussi vendredi, normalement, si tout se passe bien. Donc voilà, en tout cas, on fera surtout un bilan de Digimon en 2015. Ouais, c'est-à-dire cette année-là. Cette année-là. La 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 la. Bref, voilà. On se retrouve dans quelques minutes, les amis. N'hésitez pas à envoyer des messages sur le chat de Twitch, à droite, ou sur Twitter. Hashtag Digimission. Allez hop, on se retrouve donc juste après, mesdames et messieurs. A tout de suite. Yo.
流れ天使は僕のそばにいる。壊れそうな夢を守らなきゃいけないんだ。立ち上がれ勇者は僕の中にいる。そびえ立つだけ負けるわけにはいかない。燃え上がれ炎は胸を焦がしてる。忘れられた明日取り戻しに行くんだ。熱いバトル起こせ。
Et donc, me revoici. Ah, me revoici, me revoilà. Tandis que la musique n'était pas coupée. Mais voilà, pour la troisième et dernière partie de cette émission. Voilà, dernière mission donc de 2015. Dernière mission, Digimission d'ailleurs. Hein, dernière Digimission de 2015. Il nous reste donc plus que quelques minutes avant la fin de cette émission. C'est horrible, mesdames et messieurs. Et donc bah voilà, hein. voilà, ça fait maintenant plusieurs mois que la Digi-émission a débuté, voilà, plusieurs mois, hein. Puis bah voilà, c'était pas mal, c'était super, hein, voilà, plusieurs longs mois ensemble en votre compagnie. Il nous reste maintenant environ 15 minutes de discours, je veux dire. Je veux quand même pas faire un discours, hein, je suis pas non plus le président de la République. Mais voilà, 15 années. J'ai 15 années. Oui, 15 années. Non. Vraiment, c'était super cette émission-là. Enfin, elle a fait ses débuts donc il y a quelques mois. Bon, voilà. Hein, on a réussi à peu près trouver une trame. Voilà, ça c'était vraiment l'objectif, trouver une trame voilà, sur le format de l'émission. Bon, maintenant, ce qu'il faudrait, c'est un petit peu plus d'ergonomie et autres. Mais ça, voilà, on ira faire ça en 2016, les amis. 2016, voilà, qui commencera donc dans un petit peu plus d'une semaine maintenant. Hein, et puis voilà. Sinon, que peut-on retenir de cette aventure Digimon de 2015? Et ben voilà, bien évidemment, le grand événement de 2015, ça a été la saison 7. La saison 7 qui est donc sortie en novembre dernier. Dans laquelle j'ai vu uniquement les deux premiers épisodes parce que j'ai pas eu le temps pour tout le reste. Je dois bien vous l'avouer. Mais voilà, mais en tout cas, ça a l'air pas mal. J'ai pas trop l'envie de spoiler ou autre, mais voilà. En tout cas, les épisodes sont également disponibles en VST FR, hein, donc version originale sous-titrée en français. Donc voilà, donc n'hésitez pas à aller voir cela. Et puis ben voilà, il y a également le retour de Digimon en France aussi, hein, c'est sur Canal J. Voilà, parce qu'il y a eu. Alors, c'est la saison 6 qui a. Qui est diffusé donc sur Canal J. Pour l'instant, c'est pas du tout si ça arrivera donc sur Gulli, la TNT. Hein. Mais voilà, Cat Digimon a l'air de reprendre un petit peu plus du poil de la bête en France, j'ai envie de dire, et peut-être à peu près partout dans le monde. Mais voilà, c'est pas encore ça, c'est encore très loin de Pokémon, mais ça essaye voilà, de reconquérir un petit peu. Mais voilà, hein. Vous savez tous que bon, Digimon s'est fait un peu abattre par Pokémon. On le sait tous, ça. On le sait tous. Et puis voilà. Donc n'hésitez pas à réagir sur le chat de Twitch ou sur Twitter, hashtag CrisisLive. Ouais, donc je n'ai pas la fibre. Je n'ai pas la fibre et c'est vrai que je ne peux pas non plus regarder tout le temps le chat, malheureusement, je suis désolé. Donc du coup, il n'y a pas une qualité énorme. Surtout qu'en plus, mon PC est en train de faire d'autres choses à côté qui prend plus de coups en plus. Donc voilà, donc ça lag un peu. À mon avis, ça doit laguer. Hein. Voilà, je suis désolé. Désolé de ces petits lags. Mais voilà. En tout cas, voilà, 2016, on peut même commencer à parler de 2016. 2016, qu'est-ce qui nous attend? La suite déjà de la saison 7, la partie 2 et 3 de la saison 7. Mais aussi, les jeux Digimon. Hein, voilà, chez nous, c'est Digimon Cyber Slug qui... Digimon Story Cyber Slug, voilà, qui sortira donc en février, voilà, chez nous.
sur PS4 et Vita. Enfin, pas vraiment en France. Ça sort en Europe, mais que dans certains pays, en fait, il me semble. Donc voilà, et pour Digimon World Next Order, c'est pas évident à... C'est pas évident à retenir les noms des jeux. Je dois le reconnaître parce que c'est des noms assez longs quand même. Ben voilà quoi, ça arrivera donc en 2016 au Japon et ça sortira, je pense. Si ça sort en Europe, ça sera certainement en 2017, je pense. Mais voilà, ça sortira pas tout de suite, tout de suite. Donc voilà, donc n'hésitez pas à réagir sur le chat. Merci donc à tous ceux qui postent des messages. Merci à tous ceux qui avaient déjà posté des messages dans les émissions précédentes. Bah oui, faut pas oublier. Voilà, donc merci aussi bah, digiduo.fr. Hein, voilà, dans lequel on trouve pas mal d'informations donc, concernant les Digimon, l'actualité, etc. etc. Ils vont, il me semble, assez souvent au Japon en plus. Donc voilà, donc c'est vraiment un bon site que je vous recommande. Et j'ai envie de dire merci à eux. Voilà, voilà. En tout cas, je pense que si il n'y a pas d'autre chose, d'autre message sur le chat, est-ce qu'on va pouvoir conclure, mesdames et messieurs? Conclure, conclure. Donc, alors, il y a quand même... alors, Digimon... Digimon Story... Cyber Slug, voilà. Voilà. Il est sorti donc en 2015 au Japon. C'est vrai que je ne l'avais pas précisé. Voilà, donc. Et, personnellement, c'est un jeu qui a l'air pas mal. Les deux prochains jeux, de toute façon, ont l'air pas mal. Hein. Les deux prochains jeux. Après, bon, je vous ai montré. Une vidéo donc de Digimon Heroes. Alors ça c'est un jeu qui était sorti à un bon moment. Il n'était pas sorti en 2015, ça devait être en 2013 ou 2014. Voilà. Bon, j'avoue que ça m'a pas du tout emballé. Ça ne m'a pas du tout emballé. Mais bon voilà, peut-être qu'ils aiment et peut-être que d'autres n'aiment pas. Voilà. Il faut savoir que la vidéo Digimon Heroes a été faite donc par jeuxvideo.com et qui sera apparemment probablement, enfin même pas probablement, c'est normalement sûr, qui sera testé, enfin dans lequel il y aura un test sur jeuxvideo.com concernant donc ce jeu-là, Digimon Heroes. Donc c'est un jeu sur iOS et Android, mesdames et messieurs, iOS et Android. Donc voilà. Voilà, voilà, j'ai rien d'autre à rajouter. Voilà, merci à tous les viewers qui ont regardé toutes les digimissions de... Enfin, toutes. Au moins une digimission de 2015, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup, on va pas dire toutes. Hein. Allez, hop, ouais, toutes. Hein, donc voilà, n'hésitez pas à regarder toutes les digimissions sur YouTube. Sur ma chaîne YouTube, hein, Crisis. Et puis ben voilà. Voilà, voilà, on va conclure, je pense, tout cela. Merci à tous, merci, voilà, digiduo.fr. Merci, également, bah, plein de gens, voilà, j'ai envie de dire plein de gens, ils se reconnaîtront. Voilà, j'en suis certain. Merci à tous ceux qui follow la chaîne aussi. Oui, c'est très important à le préciser. Merci à tous ceux-là, voilà. Merci, donc, à tous ceux qui ont participé sur le chat. Merci à tous. Et puis ben, on se donne rendez-vous, enfin, on se donne rendez-vous demain, demain donc 17h, 17h, 19h, non pas 18h, 18h, 20h, ça sera donc 17h, 19h, on avance d'une heure, ça sera pour l'émission Web Games, l'émission Web Games, et dès 19h jusqu'à normalement entre minuit, 1h du matin, hein. Il y aura donc le réveillon de Noël, hein, une soirée dans laquelle il y aura une émission en live. Disons, diffusée sur ce flux Twitch là, mais ça sera une émission enregistrée, je précise bien, une émission enregistrée, hein, parce que oui, voilà, j'ai un peu une famille et tout, j'ai envie un peu d'y être avec eux, hein, pour fêter,
pour ce Noël, bien évidemment, ce réveillon de Noël. Et puis bah voilà, hein. Et puis pour ceux qui ont envie de... Enfin, qui regardent uniquement la digimission, bah on se retrouve donc... eh ben en 2016. En 2016, et oui, en 2016 pour la fameuse... Enfin, la première digimission de 2016, les amis. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette toute dernière digimission de l'année 2015. On se donne donc rendez-vous demain. Ou dans deux semaines, à ne pas oublier non plus que vendredi de 18h30 à 20h, donc il y aura l'émission Poké Live. Et puis bah voilà, hein, voilà, hein, comme tous les vendredis, comme tous les jeudis, hein, voilà, vous retrouvez vos émissions hebdomadaires, même si c'est la période de vacances, etc., etc. Moi ici, je prends pas de vacances. Allez hop, passez une excellente soirée. À très très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez hop, ciao ciao! Voilà, pizza, pigas, stream, à ten, soculiocunde. Miraimo, imamo, kakenukero. So, boku wa kizuitan da. Zutto, chukudai, wasureta. それは一つの謎僕は誰なんだろうスライディングしてすり抜けた膝痛く立ってねすぐ立ち上がらなきゃチャンスは逃げてゆくわかってるさビガンビガンビガンスティーバー夢見ることが全て始まりそれが答えだろう誰より僕へ飛んでみせるよ全ての明日を貫いて地平線まで飛んでいけ羽をもらった勇気たち強く大きくなるために僕も走り出そう聞こえていたよカウントダウンずっと前から準備はできてるさ今すぐ始めようゼロに変われビガンビガンビガンスリーは信じられなきゃまばたきしてる刹那に消えるよ心の標的そらさず走れ全ての力ぶつけようビガンビガンビガンスティーバー夢見ることが全て始まりそれが答えだろう誰より遠くへ飛んでみせるよ全ての明日を貫いてWhat a piece of biggest dream, 全速力で未来も今も駆け抜けろ